Il est 15h30 au stade Jean Koumou en prélude à la quatrième journée du National Foot Championnat D3. Assiobé reçoit AC Mambungu. Rappelons à toutes fins utiles que au stade Mbombé, l'Assiobé l'avait remporté sur le score de 1-0. Match certainement revanchard pour les joueurs du coach Mancini. Il aligne au dossard 30 Ngele Iluma, voilà, les Ndjougou 14, Massamba Dossard 3, Ndjougou Dossard 13, 4 Mwele au dossard 20, Mungeti et Ya Gaston, lui, à le dossard 8, le dossard 6 Nganda et le dossard 10 porté par Nia Sélé, le dossard 9 Nyama Paul Anse. Mouila Isengue à l'Odossar 15, pendant que de l'autre côté, tout de vert vêtu, hasta la victoria. On peut déjà écouter le son de tout étudiant qui jusqu'à présent n'est pas encore connecté et qui va tout de suite se connecter du côté du stade Jean Koumou et sur la plateforme Ndambo Vision. Coach Nguema aligne au dossard 1 Boujoni Jumper, le dossard 5 Binguma Nathanael, le dossard 8 Sende Élisée Ngabama, lui à le dossard 14 Metougué Stevie, le dossard 12 Mba Axel, le dossard 2 Ipanis Gomez au 15 et Beza, le dossard 7 et Eldo le dossard 11, voilà Mongala Franky le dossard 13 et Nzamba à le dossard 3. Rappelons à toutes fins utiles que c'est la quatrième journée du championnat national des 3 et c'est la poule 3 qui s'affronte ici et ce sont le deuxième et le troisième de la poule qui se rencontrent pendant que du côté d'OIM, AS Diba rencontre Gabon Télécom de Tchibanga. Rien à voir avec ce qui précède. Si vous n'êtes pas encore connecté, la plateforme c'est Ndambo Vision. Vous avez la possibilité de liker, de laisser vos commentaires et surtout d'encourager cette équipe universitaire tout de vert vêtu qui aura la possibilité de donner le coup d'envoi parce qu'on aperçoit Nzamba au rang central ayant le ballon et les arbitres tout près. C'est parti pour les 45 premières minutes, donner la possibilité à 114 Gabama de dégager tout de suite la défense histoire de donner le tempo. C'est parti. Est-ce que Franky aura la possibilité de chipper la balle? Non. AS Mambungu va avoir la possibilité de calmer les ardeurs. Il faut se découvrir certainement. C'est la première balle. C'est parti. Mais ça va jouer très vite. Ça va aller très vite au stade. Stade Jean Koumou de Lambaréné, c'est reparti. AS Mambungu toujours à travers le dossard 13 Ndjougou. Ndjougou que va-t-il faire? Long ballon à la récupération. Le dossard 14 Ngabama pour mettre la balle en touche. Balle en touche et première remise en jeu latérale du dossard 4 d'AS Mambungu qui va effectuer la lancée. Très vite et reconnaître la présence du dossard 14 qui n'est autre que Ngabama pour venir enrayer cette action. Et voici la deuxième lancée qui va intervenir ici au stade Jean Koumou de Lambaréné, toute fin utile où la CIOB croise AC Mambungu en match retour. Rappelons que à Moula au stade Bombay, la CIOB l'avait emporté sur le score de 1-0. Faute commise sur Ngabama et Ngabama va redonner le tempo avec de l'autre côté Binguma Nathan. Le dossard 5 va-t-il faire solliciter Vujoni Jumper qui tout de suite va dégager le temps, retrouver Mba, pas pour longtemps. La défense de AS Mambungu va se saisir de la balle et avoir la possibilité tout de suite de repartir. Ça joue vite et ça va jouer serré parce que
les deux équipes n'ont pas droit à l'erreur. C'est soit ça passe ou ça casse. C'est reparti, le Loussard va. Long ballon à la récupération. Le 4, est-ce qu'il aura la possibilité? Non, il va compter sur la présence de Mbra qui tout de suite va mettre la balle en touche. Troisième lancé pour Assé Mambongo, une très longue lancée dégagée par Senze Élysée et Mba qui tout de suite va dégager le camp, pas pour longtemps. La balle siège pour l'instant du côté de Hec, on va retrouver de l'autre côté là-bas Stevie qui n'a pas pu retrouver son premier vis-à-vis. C'est reparti, Axel, Stevie plutôt, que va-t-il faire? Il va avoir la possibilité de garder la balle et de temporiser, retrouver Binguma Nathan qui va tout de suite solliciter une fois de plus Jumper. Et Jumper, mis sous pression, va mettre la balle en touche. Et le pressing d'Assman Bourou très haut. Et la première frappe intervient déjà du Loussard 9 qui n'est autre que Niama Paul Hans qui annonce les couleurs. C'est reparti Ngabama qui va encore solliciter Vujoni et Johnny qui va dégager et retrouver Ebeza pour Mba. Mba, long ballon à la récupération. Le Loussard 8, Bassé Mambongo qui va retrouver un milieu de terrain, pas pour longtemps. Itanis, le Loussard 15, il n'a pas pu malheureusement avoir la possibilité de. Ouais, c'est pas facile. On va souffrir, je l'espère. C'est reparti. Assurer l'équipe pour cette première minute souffle un temps soit peu, hein. Il faut sortir la balle très vite, il faut poser le ballon pour que le joueur le plus proche ait la possibilité de l'avoir. Ebeza, est-ce que va-t-il faire? Ebeza qui se retrouve tout de suite dans le dernier carré, va certainement rouler la frappe qui va tout de suite retomber sur les mains de Ngele Iluma Glen qui aura la possibilité de calmer effectivement son camp et de relancer la balle de manière latérale et donner la possibilité à son défenseur de Sar 13 de pousser le coup. Mais il y avait une faute sur Saint-Gilles-Élysée. Une faute sur Saint-Gilles-Élysée et donner la possibilité à Ngabama de bien mettre le pire à distance réglementaire. On sollicite une fois de plus Vujoni Jumper, le gardien qui va tout de suite dégager et retrouver Lengi Fonki, pas pour longtemps. Élysée va retrouver Ebeza est parti là-bas. Ebeza qui n'a pas pu et qui a joué en première intention. Ok, c'est beau. Ah, il fallait jouer en première intention, ça devrait passer, mais ce n'est pas encore le moment. C'était très très bien joué, mais il fallait compter sur la défense bien présente du coach Mantini. Il fallait compter sur la présence de la défense du coach Mantini, mais nous n'en sommes pas encore là. Les deux équipes, certainement, s'observe, mais à ce qui semble non, parce qu'il faut jouer fort pour avoir la possibilité d'imposer son dictat. Rappelons à toute fin utile que l'ACOB joue à la maison, Senze Élysée qui s'en va là-bas et peut-être bénéficier là de. Il va bénéficier tout de suite. De l'avantage, mais ça n'a pas duré parce que Edo a été victime. Et donc, donner la possibilité à Ngabama de mettre la balle là où la faute a été commise et c'est reparti. Nzamba, est-ce qu'il aura la possibilité de tromper le défenseur adverse? Peut-être pas. Il n'a pas eu de solution. Le Loussard 13 qui n'est que Djougou n'a pas eu de solution et donc n'a pas eu la possibilité de bien jouer cette balle. Et très intelligemment, il la met en corner et c'est le premier corner qui va être exécuté par Nzamba. Nzamba qui va se lancer là-bas. Que va-t-il faire? Nzamba, long ballon à la récupération. Le gardien d'Assé Mambongo, très hardi et vigilant, très présent.
Ah oui. Ah oui. Il faut compter sur la présence de Jumper. C'est parti là-bas, Gomez. Gomez pour Élisée. Élisée, Gomez. Ça joue dans notre camp et on ressollicite. On ressollicite tout de suite Mvoudjoni, beau ballon pour Ipanis. Ipanis qui tout de suite va retrouver Stevie Metougué, pas pour longtemps. Seman Bongo en jaune va récupérer la balle, c'est reparti. Nzamba toujours, Nzamba qui va certainement chercher la faute. Il a obtenu, il aurait pu jouer en première intention avec Metougué Stevie, mais il a préféré garder la balle et bénéficier comme ça d'un coup franc, d'une balle arrêtée et laisser la possibilité à Edo de dégager le camp. Très long ballon, peut-être compter sur la présence du gardien d'Aseman Bongo qui va très loin dégager et encourager tout de suite par ses supporters. Élisée qui va se lancer là-bas, retrouver Edo pas pour longtemps. Stevie n'a pas pu se saisir de la balle. Et donc elle revient tout de suite à la Siobe par l'entremise d'Edo. Le latéral qui va tout de suite exécuter la touche et retrouver Stevie. Elle repart également en touche. C'est pas facile, mais Metougué qui n'a pas encore retrouvé ses marques. Et jusqu'à présent, pas encore sollicité et mis en orbite. C'est reparti de l'autre côté. La remise en jeu latérale qui va être exécutée par Edo. Edo qui va remettre la balle sur l'aire de jeu et retrouver Stevie et faute. Faute de Stevie sur le dossard 4 d'Aseman Bongo et le 14 va avoir la possibilité d'y aller l'Enjougou et d'exécuter la faute. Et pendant que l'arbitre de touche demande à l'Enjougou de mettre la balle là où la faute a été commise, vous nous regardez sur Ndambo Vision. Vous avez cette plateforme qui vous permet de regarder les matchs de la CIOB et surtout de regarder le sport universitaire. Et surtout de regarder le sport universitaire. On nous rappelle que du côté de l'IOB, la Ligue de sport universitaire organise effectivement un championnat inter-université. Ça joue au Ropivio Stadium de l'université Omar Bongo. L'association sportive de l'IHE en première heure, en 13 heures, avait affronté l'association sportive de USA et en deuxième heure, l'association sportive de l'UNG, entendre par là l'Université nationale du Gabon, affrontait comme ça l'association sportive de l'ENSET. Et en deuxième heure, l'association sportive de AEM affronte l'association sportive de l'ENF, pendant que l'association sportive de l'IOB, elle, sera reprise à partir de 16h à l'association sportive de Matas. On joue comme ça la deuxième journée au stade de l'Université Omar Bongo, la deuxième journée du championnat inter-universitaire et sur les grandes écoles organisées par la Ligue de sport universitaire. Ce parti là-bas, est-ce qu'on va retrouver Stevie? Non. Ah, Ebeza. Ebeza qui, coup sur coup, essaie de réussir ses passes, mais tombe encore sur une défense de Aseman Bongo très présente. Une défense d'Aseman Bongo très présente et donc qui ne laisse pas la possibilité aux assauts d'Aseman Bongo de se produire. Mais les deux équipes se valent, ça il faut le dire, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à ce niveau de championnat. On s'engage peut-être difficilement, parce qu'il faut le rappeler, ce sont le troisième et le quatrième de cette poule qui s'affrontent, pendant que de l'autre côté, on nous annonce l'entrée. Voilà, vous remarquez comme moi
que le kiné va faire son entrée. Il est allé pour veiller sur le dossard neuf qui n'est autre que Nyama Paul Hans. Plus de peur que de mal, et donc il va aller se faire soigner à l'extérieur du stade, dixit les gestes de l'arbitre central qui nous revient de la ville de Port-Gentil. C'est reparti sur l'aire de jeu, pas pour longtemps. Donner la possibilité à Edo de relancer hein, à travers une lancée. Et permettez-moi la technologie, donner à Jumper la possibilité de... Mon Dieu, que devrait-il se passer? On est passé à côté de l'hécatombe. Ah, Jumper, il faut rester concentré jusqu'au bout. Rester concentré jusqu'au bout. On a failli passer à côté de l'irréparable, mais plus de peur que de mal. Lengui, c'est parti. Lengui va retrouver Stevie de l'autre côté. Stevie qui s'en va là-bas, il est parti. Stevie est parti. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas eu de faute. Il n'y a pas eu de faute. L'arbitre central est très bien placé à estimer qu'effectivement il n'y avait pas de faute. Et donc Jumper, qui jusqu'à présent devrait rassurer en qualité de capitaine. Ah, quelle bourde! Il aurait pu commettre ce gars et donc punir la Siobi. Mais les dieux du foot sont avec nous. Il y a plus de peur que de mal. Ils panissent en milieu de terrain. On retrouve Lengui, Francky qui se bat tel un diable. Que va-t-il faire, Francky? Est-ce qu'il va retrouver Élisée? Oui, très bien joué. Faute sur Senze Élisée. Faute sur Saint-Élysée et l'arbitre demande d'attendre le coup de sifflet pendant qu'il va mettre le mur à distance réglementaire. Ah, quelle frayeur les étudiants ont eu en regardant cette action. Quelle frayeur. Mba, que va-t-il faire? Il va partir retrouver Beza, peut-être Francky, que va-t-il faire? Non, faute, il n'y a rien. Oui. L'arbitre dit qu'il n'y a rien. Exact. Il aurait pu frapper. Ah, Stevie. On ne discute pas avec l'arbitre. On ne discute pas avec l'arbitre. Il n'y avait rien. L'arbitre était très bien placé. Il n'y avait rien. L'arbitre était très bien placé et donc aidé par son juge de touche, voilà, il va donc avertir le dossard 6 de Assé Mambungu qui n'est autre que Ndanga pour avoir utilisé le coude. Et le dossard 14 qui va exécuter la faute. C'est pas facile. Il faut presser et avoir la possibilité de scorer sur vos actions. Ipanis qui s'en va là-bas, est-ce qu'il aura la possibilité de rattraper son adversaire? Bien sûr, compter sur Saint-Élysée, c'est revenu en milieu de terrain. Edo, long ballon pour retrouver Francky qui était certainement derrière son adversaire. Et Assé Mambungu bénéficie comme ça d'une sortie et qui est tout de suite joué et permettra notre ami Nathan Binguma, un très bon défenseur, de mettre la balle hors d'état de nuire. Vous avez la possibilité de vous connecter sur la plateforme d'Ambovision qui n'est autre que le partenaire privilégié de la CIOB.
grâce à qui nous retransmettons en direct et au stade Jean Koumou de Lambaréné où la Siobé reçoit AC Mambungu en prélude à la 4e journée du championnat national D3 pendant que du côté d'OIM et dans tous les stades du Gabon, ça se joue. On avait donc observé une minute de silence en mémoire des disparus. Les derniers en date, c'est le malheureux événement que nous regrettons tous, le naufrage au large des côtes gabonaises. On a besoin de revenir sur cette actualité sombre. Il y en a beaucoup de familles gabonaises. Et donc, on a une pensée de nos joueurs et les joueurs gabonais, il faut le dire, qui participent effectivement à ce même championnat, qui avaient la possibilité de se rendre du côté de Port-Gentil et qui, grâce à Dieu, ont eu et le président et le staff technique, les joueurs y compris, la vie sauve. Merci et louange soit rendu à Allah pour cette bravoure, ce reparti. C'est reparti, Jumper qui va refaire cet exercice, c'est parti là-bas, Nathan, long ballon de Nathan à la récupération, Stevie, il est parti, que va-t-il faire, est-ce qu'il va trouver Ebeza, Francky qui est parti là-bas, peut-être Francky, non, faute, oh l'arbitre, il n'y a pas faute, ah, il aurait certainement joué en première intention, mais le défenseur d'AC Mambungu souffre. Et une faute a été commise sur le défenseur et le dossard 13 qui n'est autre que Njugu. Il faut attendre les secouristes. Il y a eu certainement un contact. Il y a eu certainement un contact. Et le match est momentanément interrompu. Prions que tout se passe bien parce qu'il y a des gens autour du défenseur. Et donc on se demande qu'est-ce qui peut bien se passer. Il a été mis en position de secouriste. Et il ne bouge quasiment pas assez. Et donc il est certainement en soin du haut de la cabine. Voilà. Dieu merci. Dieu merci. Plus de peur que de mal. Et le coach Nguema également qui est allé s'acquérir de la situation de ses athlètes. Plus de peur que de mal, il va donc être amené à retrouver l'extérieur du stade. Voilà, merci. Plus de peur que de mal, vous avez la possibilité de vous connecter sur Ndambo Vision. Likez et partagez le direct qui est mise en exergue, en relief, grâce à nos partenaires. Le plus privilégié de tous est Ndambo Vision en termes de retransmission du match. On salue également la direction générale du CNU, grâce à qui Asiobe se déplace en toute quiétude et sans autant de difficultés. Merci au directeur général du CNU qui se donne autant de mal pour satisfaire les étudiants. On revient sur l'aire de jeu. C'est toujours zéro but partout. Si vous prenez comme ça l'antenne en marche entre Asiobe et AC Mambungu du côté du stade Jean Koumou de Lambaréné, l'université Omar Bongo et l'ensemble des étudiants qui se déplacent ici au stade Jean Koumou pour participer au championnat national D3.
C'est parti là-bas. Jumper, rassurant cette fois-ci, va avoir la possibilité de se saisir de la balle et de la dégager. Ça tombe sur les mains de Beza, plutôt les pieds de Beza, en milieu de terrain. Pas pour longtemps, c'est reparti. Et Panis pour la passe. L'arbitre a participé au jeu. Aïe, aïe, aïe. Ça aurait été peut-être une action de but. Ça aurait été peut-être une action de but, mais l'arbitre également est un joueur et a participé à cette action. C'est parti retrouver Beza qui n'a pas eu la possibilité d'être le premier sur cette balle, sur le centre des dos. Et donc le gardien d'Assé Mambungu qui va dégager latéralement le camp et donner la possibilité à ses latéraux de se promouvoir et de se jeter directement dans le camp adverse. Il faut compter sur Bingu Manata pour effectivement renvoyer la balle en sortie de touche du côté d'Assé Mambungu. Ça s'est un peu calmé. Le Dossard 14 qui n'est autre que Ngabama peut dégager le camp. C'est pas facile jouer un tel championnat. Et donc il faut compter sur ça. Faute de dos. La faute de dos et qui donne le coup franc à Assé Mambungu. La faute de dos qui donne un coup franc très dangereux et c'est le premier du genre, le Assé Mambungu. Le coup franc va aller de la gauche vers la droite et l'arbitre central demande de mettre le mur à distance réglementaire et surtout d'attendre le coup de fil, plutôt le coup de sifflet. C'est parti, c'est ressorti. Voilà Ebeza. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va avoir la possibilité de prendre cette balle? Axel va retrouver Ngabama. Ngabama pour dégager le camp, retrouver Francky. Pas pour longtemps, faute. Ah, les deux 13 se connaissent certainement. Les deux 13 se connaissent. Lengui, Francky et Njougou se connaissent. Tous. Chonde Mbigou et Nzebi de père et de mère à la Taribo West. Ça n'a pas marché. Il faut courir. Il faut courir. C'est reparti là-bas. Francky qui va tout de suite retrouver. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il va avoir la possibilité d'être là? Non. Ah, il faut jouer très haut. Il faut jouer très haut. Le but va certainement arriver d'un côté comme de l'autre. Jouer très, 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 très rapidement. Edo qui va faire la remise en jeu et la lancée qui va revenir tout de suite à Assé Mambungu. Assé Mambungu qui joue effectivement son 4e match comme partout ailleurs. 3 points à Siobe, 3 points à Sidiba, 6 points Gabon Télécom, 6 points. Et donc, dans cette poule, les deux équipes qui se retrouvent au haut du tableau jouent du côté du stade d'Akwakam. Et pendant que ceux qui jouent le bas du tableau, s'il faut que je le dise ainsi, jouent au stade Jean Koumou, la 4e journée comme partout ailleurs. Attention à l'issue de ces résultats. On retrouvera certainement une autre équipe qui aura 6 points à l'issue de ce match. Oh, vivement que ça soit la Siobe qui l'emporte sur la frappe d'Elysée. Aïe, aïe, aïe. Très belle frappe de Senze Elysée. Une frappe de Senze Elysée qui n'a pas inquiété le gardien d'Assé Mambungu. C'était pas mauvais, c'était pas faute que d'essayer. Il fallait effectivement essayer et ce qui fut fait, ça a failli ressembler à une feuille morte, cette frappe.
le gardien d'Assemam Bongo qui va jouer avec son défenseur qui tout de suite va dégager le camp et retrouver le pied bien placé de Ngiabama qui met la balle en touche. Le Dossa 4, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va retrouver Mba? Pas de faute. Ouais. Il a joué le corps et donc Mba n'a certainement pas suivi. Mba n'a certainement pas suivi. C'est parti pour le coup franc. Le Dossard 13 qui n'est que Ndjougou. Il frappe fort. C'est parti. Ça retrouve San 14. Ngiabama, est-ce que Francky qui va courir et Beza également peut-être avoir la possibilité de ne pas commettre la faute? Il faut jouer Francky. Faute. Faute. L'arbitre de touche qui peut-être n'a pas su apprécier l'action, mais il est bien placé. Il est bien placé. Et c'est parti, ça joue à milieu de terrain, ça va retrouver. Voilà, très beau geste technique à milieu de terrain. Oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Ah, Metougué, il va faire vivre des misères à cette équipe parce que ce Metougué va très vite. Il est reparti sur le côté. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va avoir la possibilité de le manœuvrer? Il est parti, Metougué. Metougué qui retrouve Élisée. Élisée, la frappe qui va tomber sur une forêt de pieds des joueurs d'Assemam Bongo. Ça repart. Edo, Edo qui va refaire le centre, retrouver Ipanis. Ipanis, très beau geste et qui va calmer le jeu, retrouver comme ça Ngiabama. Très beau geste de Ngiabama qui va jouer dans les intervalles avec Mba Axel. Axel qui n'a pas pu se saisir de cette balle. Oui, il n'y a pas faute. Il n'y a pas eu faute. Il n'y a pas eu faute. Francky a joué le ballon. Il n'a pas eu faute. L'arbitre aurait pu dire quelque chose, mais il n'en est rien de tel. Le pied était mis sur le ballon. Le pied était mis sur le ballon, dixit l'arbitre. C'est un jeu d'homme. Le Dossard 13 qui n'est autre que Ndjougou, qui a la possibilité de tirer très fort et haut. Les balles arrêtées d'Assemam Bongo, Nathan et Ngiabama qui ont eu la possibilité, certainement. Ah, le coach Mancini. Le coach Mancini. Le coach Mancini qui soulève le public. Le public du stade Jean Koumou. Et qui n'a pas trop compris pourquoi est-ce que le juge de touche a levé le fanion. Ah, il a une culotte jean et un t-shirt blanc. C'est reparti de l'autre côté. Metougué, il est parti. Metougué qui va s'échapper là-bas une fois de plus. Non, il va malheureusement perdre là-bas le profit des jaunes et bleus d'Assemam Bongo de Langounié. Assemam Bongo qui va exécuter la remise en jeu et donc la lancer. Et l'arbitre demande à ce que cette même remise en jeu soit exécutée là où la balle était sortie. Ah, ça court, ça joue dur et fort entre Ipanis et Mouélé. Edo de l'autre côté, que va-t-il faire? Il va avoir la possibilité de mettre le pied sur la balle et laisser la défense d'Assemam Bongo se dégager. Je vous permets de vous connecter et de saluer tous ceux qui sont du côté de Libreville. C'est parti, Metougué va retrouver Ebeza. Aïe, 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 Ebeza, Ebeza, Ebeza toujours, Ebeza, beau ballon. Et donc Ebeza va tout de même bénéficier d'une balle de touche. Il va tout de suite bénéficier d'une balle de touche. Mba Axel.
à l'exécution, le dossard de Mbaxel pour Nzamba. Est-ce que Nzamba va retrouver Mbaxel qui tout de suite va avoir la possibilité de solliciter le gardien adverse et le défenseur d'Assema Mbungu, victime de Lengi Francky. C'est un duel entre deux frères qui se connaissent et qui ont joué le même championnat du côté de Langounier. Ouais, ça joue en triangle, à toi, à moi, serré. On progresse avec, mais pas pour longtemps, il faut compter sur Edo. Yaya, il aurait pu dégager, mais Edo qui a eu la possibilité de mettre le ballon, le pied sur le ballon. Et le coach Nguema qui est également sous pression parce qu'il sait que c'est un match aux doubles enjeux. C'est un match aux doubles enjeux. C'est parti. Il ne l'a pas touché. Il ne l'a pas touché. Il ne l'a pas touché. Ça, c'était très, très, très évident. Peut-être l'excès d'engagement. Mais il avait l'avantage. Peut-être excès d'engagement, mais il avait déjà l'avantage. Mais l'arbitre était mieux placé. L'arbitre était mieux placé. On vous laisse la possibilité de laisser vos commentaires et de saluer tous nos amis internautes qui ont l'habitude de nous suivre à travers cette plateforme d'Ambrovision. Avec Kebouz Arnold et le Big Paolo qui se sont déplacés expressement. Ils ont fait partie de cette expédition au stade Jean Koumou de Lambaréné. Le coach Mantini qui s'est fait rappeler à l'ordre par le quatrième arbitre. Il faut compter certainement de l'autre côté sur Binguma Nathan pour enrayer cette action et rappeler son coéquipier. Alors, il faut jouer, nous sommes ici pour jouer, donc nous devions jouer et scorer les premiers histoire d'être à l'abri. C'est reparti sur le côté Ngiabama qui va rejouer avec Jumper qui va donc dégager le camp et retrouver en milieu de terrain Francky, pas pour longtemps. Ipanis est là. Il panisse pas pour longtemps, ça sollicite beaucoup du côté de Nathan. Et Edo, bien placé, va donc dégager le camp. Pas pour longtemps, donner la possibilité à Élisée de retrouver Ebeza, ça joue Mba Axel va bénéficier d'une sortie de touche. Et Ngiabama qui joue avec son gardien, Vujoni. Jumper qui, de l'autre côté, va retrouver Stevie. Aïe, 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 Stevie qui court là-bas et très fort. Ça joue très fort. Stevie Ngiabama qui a eu la possibilité de courir avec autant d'énergie et de revenir. Mba Axel va certainement laisser la possibilité à Vujoni qui n'est pas pressé parce qu'on joue la première période et le score reste le même. Il est de 0-2 partout. Ah, ça revient très vite. Ça revient un peu trop facilement du côté de l'Asiobé et du côté de sa défense. Du côté de sa défense, ça revient très rapidement. Les joueurs d'Assema Mbungu très présents, très énergétiques. C'est parti. Long ballon qui va récupérer ça. Stevie qui va monter, il va retrouver Francky. Long ballon
pas pour longtemps, va donc avoir la possibilité, oui. Retour d'enjeu. Il y a retour d'enjeu, non. L'arbitre a momentanément arrêté le match parce que de l'autre côté, il y a un joueur de Lazio B au sol, à la personne d'Edo. Edo qui a reçu ou qui aurait reçu le coude. Et donc Nathan très calme, plus de peur que de mal. Et le coach Nguema qui va sortir et l'arbitre demande à ce que les gens étanchent leur soif. Ah, parce que ça court, il fait chaud du côté de la ville du Grand Blanc. Et le coach Nguema qui va sortir de l'autre côté. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur notre page Ndambo Vision, hein, connecté à la mutuelle des étudiants de l'Université Omar Bongo et de l'UMEG, l'Union des mutuelles du Gabon, qu'on salue effectivement et nous donner la possibilité de saluer tous les étudiants d'ici et d'ailleurs qui ont la possibilité de regarder ce match. Et pour certains, ils vont se retrouver parce que le projet ne date pas de cette année. On revient sur l'ère de jeu. Vodjoni va donc se permettre de dégager son camp, hein, en attendant que tous ses défenseurs se mettent en place. Voilà, c'est parti. Ipanis Gomez qui va retrouver Stevie. Long ballon à la récupération. Lengui. Lengui qui s'en va là-bas. Aïe, aïe, aïe. Ah, Lengui. Lengui qui commet une faute. Lengui qui va commettre une faute. Donc Dossard 13 et défenseur d'Assema Mbongu qui se retrouve à chaque fois au sol. Le joueur d'Assema Mbongu qui se retrouve à chaque fois au sol. On joue la première période. Et le score reste le même. Le score reste le même au stade Jean Koumou. Assiobé 0, Assema Mbongu 0. Ça court dans tous les sens et chacun court derrière le but. Histoire de ramener les 3 points à la maison pour Assema Mbongu. Ou laisser les 3 points ici pour Lazio B qui joue chez elle. C'est parti. Faute. Faute. Voilà le capitaine d'Assema Mbongu qui va prendre un carton. Et le dossard 13. Lengui Francky également qui reçoit un carton. Il ne faut pas parler avec l'arbitre. Il ne faut pas parler avec l'arbitre. C'est joué. Non. C'est très facile. On demande de jouer. Et ce n'est pas le moment de veiller. Ce n'est pas le moment de veiller. Ce n'est pas facile. Le coup franc du Dossard 13. Il s'en va là-bas. Il va retrouver de l'autre côté Ngabama qui a pu dégager. Mais on se rend tout de suite compte que la défense d'Assema Mbongu n'est peut-être pas très inquiétée. Ça joue au pied. Ah oui, il faut avoir la possibilité de bien serrer le ballon. Ah, c'est parti, Francky. Faute. Oui, faute. Arbitre, il y a faute. Ah, il y a faute
sur la personne de Nzamba. Un coup franc très bien placé pour l'Asiobi. Sous le regard du président de la Ligue du Moyen-Ogoué, j'ai cité Manuel Oguera, qui regarde comment son club évolue. Metougué qui va avoir la possibilité de se retrouver devant la balle et d'exécuter le coup franc un peu très éloigné. Que va-t-il faire? La frappe de Metougué qui va passer très 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 à côté des buts. Mais ça a été pour certains de ses collègues un encouragement pour le plébisciter parce que c'est un jeune étudiant nouvellement admis et venu du côté de Port-Gentil. Et ce jeune qui n'a pas la possibilité de laisser la place aux autres. Et donc, il vient inscrire en lettres d'or son nom dans les annales de l'université Omar Bongo. Il aura la possibilité de dire: j'avais été là ce jour, il m'a fallu juste le bac pour être intégré dans l'équipe de mon université. C'est joué. De l'autre côté, Nathan va retrouver Beza pour longtemps, peut-être très court. Axel, est-ce qu'il aura... Ouais. Gabama qui va exécuter et avoir la possibilité de mettre la balle très loin. Assem Mbongo qui est en train de jouer le tout pour le tout. C'est parti, Lengi Franqui, faute. Ah, il y a carton. Il y a carton. Il y a carton. Ah, ça va dans tous les sens. Calmez-vous. Ça va dans tous les sens. 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 Et il ne faut pas perdre le contrôle du match. Ce n'est pas un match de karaté. Et jusqu'à présent, le match s'est déroulé très bien. Jusqu'à présent, le match s'est déroulé très bien. Et donc l'arbitre qui n'a pas perdu le contrôle du match à Ebeza, on n'a pas besoin de ça, il faut se calmer. Il faut se calmer. Il faut se calmer. Il faut se calmer. Il y a un carton. Il y a un carton. Il y a un carton et le match est momentanément interrompu. C'est un match à haute tension, il faut l'admettre. Parce que c'est lui qui gagne ce match, qui réconforte sa place dans ce groupe. Et donc, c'est bien normal qu'il y ait ces échauffourées qui, en réalité, sont sportifs et qui ne sont pas de nature à dénaturer ce match. Franqui a été pris en sandwich.
Francky a été pris en sandwich. Francky a été pris en sandwich. Et donc, le match est Big Paolo momentanément interrompu au stade Jean Koumou. Lengui Francky est toujours au sol. Le score reste le même. Le score reste le même au stade Jean Koumou. On va laisser l'arbitre faire son travail parce qu'il était très proche des actions. Et donc il va s'expliquer avec les deux capitaines. Ça se joue bien. C'est le public. C'est le public. C'est le public. Et l'arbitre très pédagogique, aidé par ses juges de touche. Ses juges de touche. Et de l'autre côté, Lengui Francky, qui est certainement debout. On revient sur l'air de jeu. Et distribue les cartons. Ah, je suis le seul maître du terrain et de ce jeu. Voilà, le dossard 13. Le dossard 13. Dassem Mbungu, qui n'est autre que... Le dossard 13, qui n'est autre que Ndjungu, qui a été à l'origine de cette action. Parce que tout est parti de là, de la faute sur Lengui. Ah, on en rit un peu, parce que le public est très exigeant. Ah, ça, il faut l'admettre, c'est un match de championnat. Et donc, nous ne sommes pas loin des tensions. Ce n'est pas que mauvais, c'est un match de football et c'est normal. Personne ne veut perdre. Et d'où la pression, qui est mise non seulement sur l'arbitre, mais les uns les autres sur les adversaires. Peut-être Edo qui va laisser comme ça la possibilité à Ipanis. Ipanis qui va faire la passe à mi-temps. Oui, la mi-temps intervient sur un score de parité. 0-0 au stade Jean Koumou. C'est peut-être la deuxième période qui va dessiner. Qui va dessiner ce match. Et la deuxième période sera déterminante. Je vous laisse avec Arnold Kebouze. Le temps pour moi de me désaltérer et donc de vous retrouver tout de suite pour la deuxième période de ce match. Auditeurs et internautes de Ndambo, je vous retrouve juste après.
45 dernières minutes au stade Jean Coulou. Ça va courir fort ici. Et c'est le moment de vous donner l'information sur. Parti ici du côté de du stade Jean Coumou, c'est reparti Ebeza et Beza. Johnny qui était présent sur cette action et d'ailleurs applaudi par les siens. Il faut pousser, c'est peut-être le moment d'ouvrir la marque et lancer comme ça de l'autre côté notre ami Metougué Stevie qui n'a pas pu tromper la vigilance du très courageux défenseur d'Ossar 13, Axel Metougué, Gomez Ipanis, qui va retrouver Ngiabama. C'est reparti pour Ipanis, Axel Metougué. Et sortie de touche pour Assé Mambungu. Diba qui remporte son duel sur ses installations. Sur le score de 2 buts à 1. Ça a été d'ailleurs le même score infligé à l'Asiobi sur les mêmes installations du stade d'Akwakam. C'est reparti Edo qui va chercher Nzamba et Katongo, très, très physique, va avoir la possibilité d'enrayer le cuir Ebeza qui va malheureusement pas avoir la possibilité de prendre le cuir. Ah, quel beau geste. Le capitaine qui retrouve Edo. Aïe, aïe, aïe. Nzamba peut-être fatigué. C'est pas facile. Et il faut se replacer très rapidement. Et donc, la lancée qui retarde à être exécutée par Massamba. Massamba qui tarde à exécuter la lancée. Et va donc bénéficier une fois de plus d'une sortie. C'est reparti Edo qui va avoir la possibilité de dégager son camp et retrouver le numéro 1 de Assé Mambungu, le capitaine courage. On revient, Nzamba que va-t-il faire? Il va repasser à Edo. Edo, long ballon à la récupération. Lengui qui a été tout de suite repris. Ah, le cuir qui a été tout de suite subtilisé sur les pieds de Francky. Aïe, 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 Francky qui continue à mettre le pressing. On ne recule pas, il faut jouer haut. Il faut jouer au Dixit. Il faut jouer au Edo qui va exécuter la lancée. Peut-être mettre cette balle sur les pieds de Nzamba, ce qui fut fait. Edo, Nzamba, Élisée, très beau geste, faute. Oui, très beau geste d'Élisée et qui va donner un coup franc. Non négligeable du côté de l'Asiobé de Vert, vêtu au stade Jean Coumou de Lambaréné. Les choses tardent à se dessiner et l'arbitre central qui demande à son joueur d'attendre effectivement le coup de sifflet sous peine certainement d'un carton.
Vous qui nous avez la chance plutôt de vous connecter sur Ndambo Vision, vous avez la possibilité de laisser vos likes au stade Jean Koumou. Nzamba, que va-t-il faire? L'arbitre va mettre le mur à distance réglementaire. Ah oui, effectivement, il faut respecter les instructions. C'est lui le seul maître du terrain. Ça passe ou ça casse au stade Jean Koumou. Un coup franc non négligeable. C'est parti. Nzamba, la récupération peut-être Edo. Non. Ah, la tête de Ngiabama qui n'était pas assez forte. La tête de Ngiabama qui n'était pas assez forte pour tromper le gardien d'Asman Bongo. Edo qui attend tranquillement le ballon et va le repasser à Nzamba. Que va-t-il faire? Retrouver Lengi. Francky pris en sandwich. Il faut compter certainement sur Ipanis, pas pour longtemps. En milieu de terrain, Nzamba qui va se décarcasser. Il peine ce gars-là à récupérer toutes les balles. Aïe aïe, c'est pas facile. Ah, pour le jeune Metougué. Le jeune Metougué qui a la possibilité de se faire entendre et de donner. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Ah, le sociétaire de l'être moderne, le 211, qui n'est autre que Edo, n'a pas pu prendre cette balle. Et certainement, ça aurait été une balle, peut-être pas de trop, mais celle qu'il faut ou celle qu'il fallait. Faute, oui. À ce niveau de championnat, c'est pas facile. Les deux équipes n'ont plus droit à l'erreur. On joue la deuxième période. On repart. Edo qui va servir Senze Elise. Elise qui va repartir avec Jumper. Vujoni qui va dégager le camp et peut-être laisser la possibilité à Ipanis. Non. Lengi qui repart là-bas. Et Ngiabama va dégager le camp, pas pour longtemps, avoir la possibilité de repartir. Le Dossard 13 ne se fait pas prier, ça joue à qui tout double, on pourrait penser au ping-pong. Il faut mettre la balle au sol, certainement. Ah oui, ah. On va voir que va-t-il dire. Que va-t-il dire? Que va-t-il dire? Il a levé la main. Est-ce qu'il y a faute pour Lengi ou il ne fallait pas qu'il se jette et se prête à cet exercice? Il va se lever. Il va se lever. Il va se lever, Francky, et donc bénéficier d'un coup franc. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça joue tambour battant au stade Jean Koumou sous le regard des supporters d'Isaac, d'Atier et d'Atonga Wanga au stade Jean Koumou. C'est pas facile. On cherche le pied magique. On cherche le pied magique qui pour lober le mur et ouvrir la marque. C'est peut-être la balle de match. C'est peut-être la balle de match. Mais nous en sommes encore très loin de là. Vous avez la possibilité de vous connecter, de laisser les likes et d'applaudir. C'est parti. Et donc l'ACOB va bénéficier d'un corner. Ça a été joué très intelligemment, mais il n'y avait pas grand-chose pour tromper la vigilance du gardien adverse qui n'a eu la vie sauve que par son mur. Aïe, et Beza qui avait fait l'appel, Nzamba n'a pas donc suivi. Ngiabama est monté, Nathan également pour la tête. C'est l'occasion, peut-être, c'est parti. Et le gardien, très, très hardi et très énergétique,
a eu la possibilité de se saisir du cuir et donc ne s'est pas fait tromper du côté du stade Jean Koumou. Ça joue fort. Ebeza, que va-t-il faire? Ebeza pour Nzamba. Nzamba est parti. Nzamba, la frappe de Nzamba qui va trouver comme ça la présence du gardien. Ah, une très belle frappe. Il faut continuer, dit le coach. On prend les mêmes et on recommence. Ça finira certainement par passer. Ce n'est pas facile. Il faut repousser l'adversaire sur ses derniers retranchements. Ah oui. C'est pas facile. C'est pas facile. Ce serait donc une bonne expédition pour le coach Mancini si le score arrivait à rester ainsi. Mais nous n'en sommes pas encore là. C'est loin d'être fini. Ça ne finira pas de suite au stade Jean Koumou. Oh, la Siobé. Oh, la Siobé est toujours pris en sandwich parce que sur son stade, Edo, ah oui, il se fait subtiliser le cuir, il n'a pas vu l'ennemi venir. Peut-être avoir la possibilité, effectivement, d'arracher le cuir. Et donc, Binguma Nathan repartir et bénéficier d'une faute, oui. Ah, le coach Mancini pourra se plaindre. Le défenseur Binguma Nathan était le premier sur la balle. Et donc le retard. Ah oui, le public attend. Certainement les anciens étudiants de cette université et des grandes écoles qui peut-être pas nostalgiques du naming Zimba, mais qui savent que les équipes de nos universités ont pour nom Zimba. Et donc, tout le monde crie. Et parce que l'université se retrouve dans le Moyen-Ogoué sur le Gabon, elle pouvait se retrouver dans l'Angounié comme dans le Moyen-Ogoué. Mais elle a choisi le Moyen-Ogoué peut-être pour des questions de logistique et surtout de proximité. Parce que du côté de l'Estuaire et à Libreville, il y a les gros morceaux. On a besoin de se frotter à tous ceux grands du football et donc avoir la possibilité de se retrouver et donner aussi le rêve, vendre le rêve à tout apprenant de terminal qui joue au foot, avoir la possibilité de gagner le bac et de retrouver cette équipe. Peut-être l'année prochaine, pas peut-être, je reste confiant et je garde la foi en deuxième division. Parce que le championnat de la montée, nous devrions y participer, y jouer. C'est parti à Semambungu pour la transversale qui ne donne absolument rien. Si ce n'est compter sur Edo. Edo, pas pour longtemps, Ipanis et le dégagement. Peut-être pas la porte-pièce, mais comme il peut, Ebeza, est-ce qu'il va avoir la possibilité de prendre le cuir? Non. Ben oui. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a faute à estimer le juge, l'arbitre de tout, l'arbitre central. On peut se plaindre. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est parti. Ah la la. La frappe directe sur le gardien d'Assé Mambungu. Il est 17h02 au stade Jean Koumou. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, on joue la deuxième période et l'université à travers la Siobé n'est toujours pas menée comme Assman Brugé également. Le score reste le même. 0 but partout. Voilà, il faut compter sur
la présence de Do. C'est parti, Gomez. Gomez pour Metougué. Metougué qui va casser les lignes. Metougué qui va casser les lignes, pas pour longtemps, il se fait prendre. Metougué qui a eu la possibilité de casser les lignes et se fait prendre. Et laisser au Dossard 13 de dégager le camp. C'est pas facile. Ah, Ebeza aurait pu certainement avoir la possibilité de changer. Jouer. Ce n'est pas le moment de se discuter. Ça peut changer de côté à travers. Voilà. Ah oui. Ça court. Chaque action, il y a une présence physique. Il y a une bonne charge sur Mbra Axel. C'est pas facile. Mais on pourrait penser que Mouila, c'est le nom de la province, mais non. Pour cette circonstance, Mouila est le nom d'un joueur. Il s'appelle Mouila Isengue. Il a le dossard 15, Mouila Isengue. C'est lui qui a eu la malchance d'embêter Axel. Certainement permettre au coach Nguema de procéder à son premier changement. C'est pas facile. Ça court de l'autre côté. C'est pas facile. Ça joue. Pendant que le fanion est levé et l'arbitre laisse jouer là-bas, c'est pas facile. C'est un jeu d'homme. Ça s'attrape. Et il est tombé sur le ballon. Ça joue rapidement. Il y a un joueur au sol. Et l'arbitre ne voit pas forcément la direction de la balle. C'est compliqué au stade Jean Koumou de Lambaréné. Le match est d'un enjeu très important pour les deux formations. Il faut le gagner impérativement, soit pour l'un, soit pour l'autre, pour réconforter sa place au haut du tableau. Parce qu'on connaît et on sait que du côté de d'Aquacam, ça s'est joué. Et oui, une faute. Le Dossard 2 est cop d'un carton jaune. Et c'est joué très rapidement pendant que l'arbitre demande d'attendre. Ça joue vite. Ça joue vite. Ça joue vite. Ipanis devant ce ballon. Gomez, c'est peut-être le moment de donner du sourire à tous ces étudiants qui sont connectés ici et ailleurs. C'est parti, le coup franc de Gomez qui va trouver le pied d'Edo. Ah, Edo qui n'a pas eu la chance. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile et ça, nous l'avions déjà dit. C'est pas facile et ça ne devrait pas être facile. Il faut croire. Croire jusqu'au bout. Et ça, c'est ce que fait Binguma Nathan et beaucoup bien d'autres sur l'air de jeu. C'est reparti Mbaxel qui va lancer Ebeza. Ebeza qui est parti, qui va donc avoir la chance de jouer le défenseur. Le défenseur qui a joué intelligemment. Le défenseur d'Asseman Bungu qui a joué intelligemment. Et donc, Ngabama très présent. Ce n'est pas facile.
le Dossard 13 qui fait vivre des misères à Lengui. C'est parti. Et Beza. Et Beza, pas pour longtemps, il n'a pas eu la possibilité de monter. Et donc le capitaine Dossard 20, très, très en forme. Ah, c'est pas facile entre les deux Dossard 13. Ils ne se font pas les cadeaux. Les deux Dossard 13 ne se font pas de cadeaux. C'est parti là-bas. Axel qui a eu la chance d'enrayer cette action. Merci à Axel Mba. Ah, très énergétique. C'est pas facile. Ça joue serré. Ça joue serré. Le soleil est parti. C'est peut-être le moment de faire les changements. C'est peut-être le moment de faire les changements de deux côtés. Jumper qui demande aux uns aux autres de monter. Parce que très fort, il va dégager, retrouver Metougué qui va lancer Francky. Francky qui est parti et signalé en position de trop. Ah, le Dossard 13 qui pour une fois a eu la possibilité de dépasser un peu, pousser, mais ah, oui, il y a faute. Il y avait faute sur le Dossard 3 de Mouila. Le soleil s'est calmé et la verdure au stade Jean Koumou est toute ressortie et épouse petit à petit les couleurs de la Siobé. Tout de vert vêtu. Changement. Et non, ce n'est peut-être pas l'occasion, mais ça a déjà été signalé. C'est plutôt l'arbitre qui demande au gardien d'attendre le coup de sifflet. Et le gardien qui va s'exécuter, Francky, qui va donc avoir la possibilité de lancer son coéquipier Beza. Les défenseurs d'Asman Bungu, très grands de taille. Hein. Ah, est-ce que les gars ont compris qu'il faut mettre les balles au sol, peut-être? Parce que toutes les balles en l'air, les gars sont les premiers. C'est pas facile. Passer le latéral, Axel Mba, et tomber sur de l'autre côté. Stevie, c'est pas facile. Ça joue serré. Ça joue serré. Ça joue serré. Aïe, 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 il a joué les intervalles. Ça joue excès d'engagement. Ça joue excès d'engagement. Ngabama doit se calmer. Il a manqué la balle. Il faut jouer. Il faut jouer. Savoir apprécier les efforts. Qui va sortir du côté de la Siobé pour le premier changement. Qui va sortir. Le Dossard 7. Le Dossard 7 qui va laisser la place à Famanvé. Le Dossard 7 qui n'est autre que Beza. Et Beza qui également n'a pas certainement convaincu comme on l'attendait ici au stade Jean Koumou. Ah, peut-être ce n'était pas son jour aujourd'hui. Le soleil s'est calmé et donne la place à la couleur verte. Pendant que le jaune-bleu ressort également. Et donc on joue aux couleurs du pays, vert, jaune et bleu associés. C'est le drapeau qui est représenté. Pas pour dire qu'il n'y aura pas de vainqueur et de vaincu pour ce match. Il faut bien qu'il y ait un vainqueur pour se relancer et se donner
du poids, se donner de l'énergie dans ce groupe qui n'a que trop souffert et qui connaît de moult rebondissements. Ngabama qui encourage les siens pour dire allons-y, on n'a pas droit à l'erreur. Le coach Mantini également qui espère et demande aux siens de rester vigilants et concentrés. Le gardien qui va remettre la balle sur la pelouse et donner la possibilité au Dossard 13 de dégager comme il sait le faire. En milieu de terrain, Ngabama Ipanis, ça joue serré. Edo pour Francky, Francky qui va donc glisser. Il faut revoir les crampons. Ça glisse au stade Jean Koumou et le score reste le même. Mouila qui va exécuter la touche et se fait interpeller par le juge de touche, Mba Axel. Ah, ben, très beau geste pour Gomez qui aura coup sur coup réussi les duels en milieu de terrain. Ah, c'est pas facile. Gomez qui aura coup sur coup réussi les duels. Ah, il aura satisfait et plébiscité d'une bonne note pour ce match. Il faut jouer. Il faut jouer. Jouer pas en colère, mais jouer le ballon, pas le pied de l'adversaire également. C'est pas facile. Ça finira certainement par passer. Il faut insister. Toutes les phases de jeu sont bonnes. Axel Mba. Axel Mba qui va avoir la possibilité de tacler. Et c'est pas facile. Il cherche du soutien. Il n'en aura pas. Il n'en aura pas le soutien. Ah, c'est pas facile. Axel pour Endaman. Metougué, Metougué qui s'en va là-bas pas pour longtemps. Asman Bungu, long ballon à la récupération. Que va-t-il faire? Non. Jouer. 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 Jouer, dixit l'arbitre. Les mains étaient collées. La main était collée et l'arbitre n'a donc pas sifflé. L'arbitre n'a donc pas sifflé cet acte. Ça se joue. Donc Osorio. Osorio qui va faire sa sortie. Il y avait sorti. Il y avait sorti. Et donc il y a corner de l'autre côté.
dégager le camp à travers Nathan Binguma. Ah, Nathan qui va revenir à la charge et se repartir en milieu de terrain. Asman Bongou qui maîtrise le jeu, pas pour longtemps, toujours le dossard 8. Le dossard 8 qui se cherche là-bas. C'est pas facile. Le dossard 8, toujours, ça s'échappe et ça tombe sur les pieds de Steven Diabama. Faute. Faute de Famanvé. Faute de Famanvé sur le dossard 13. L'homme a tout faire du côté d'Asman Bongou. C'est parti là-bas, Mvoudjoni. Mvoudjoni qui a la possibilité d'être le premier sur la balle. C'est pas facile. Et c'est pas facile pour Mvoudjoni. C'est parti. Mvoudjoni, non, ballon là-bas, la récupération. Fama, non, le dossard 13, très seul. Très seul, oui, il y a faute. Il y a faute d'Élysée. Il y a faute d'Élysée. Et c'était visible. Le dossard 13 qui va frapper long ballon va retrouver Esson Bina, qui va donc avoir la possibilité de bénéficier d'une sortie de touche. Voilà. On ne peut pas jouer comme ça. Il n'est pas revenu sur la faute. Il y a une position là-bas. Il y a une position de trop à estimer le juge de touche pour aider l'arbitre central. Ça court. Ça court. C'est pas facile. Francky Lengui. Lengui qui bénéficie comme ça d'une sortie de touche. Il va être exécuté par le nouveau entrant, Esson Bina, à la personne d'Osorio pour Famavé. Fama Osorio, la transversale d'Osorio qui va retrouver le dossard 13 de Asman Bongou pour Fama, pas pour longtemps. Fama toujours, il faut jouer. Ah, le 13, il faut beaucoup jouer. Esson Bina, que va-t-il faire? Osorio, Osorio à la récupération. Famavé, pas pour longtemps, demande de jouer, de quitter l'arbitre. C'est pas facile. Ah, le ballon est rond pour tout le monde. Esson Bina pour la transversale sur Nzamba, pas pour longtemps. Il aurait pu certainement changer de côté. Voilà, retrouver Ipanis. Pas pour longtemps, Ipanis qui n'a pas eu la possibilité de donner à Metougué le ballon qu'il faut. Et comme il faut, à le dossard 13, oui. C'est lui également. L'homme a tout joué. Changement. Le dossard 10 en lieu et place du 13. Le 10. Le 10 en lieu et place du 17. Voilà. Il se fait appeler Petit Mabouela. Ah, la taille en dit tout. Peut-être. Espérons qu'il soit à la hauteur du nom. Mais nous n'en sommes pas encore là. Très beau geste. Ah, c'est super. Il faut jouer. Jouer vite. Jouer vite. Élysée, que va-t-il faire? Long ballon à la récupération. Mesdames, pas pour longtemps, non. Il se fait donc tromper par le gardien. Et donc, laisser Nathan et Senze Élysée avoir la possibilité de retrouver la balle pour Fama. Fama, que va-t-il faire? Faute. C'est un carton. Oui. C'est un carton. Et le carton rouge pour le capitaine. Le capitaine. Oh, le capitaine.
Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est Mambungu qui va jouer en infériorité numérique au stade Jean Koumou. C'était une faute de trop. Ah, je crois que lors de la première mi-temps, l'arbitre central avait distribué au maximum. L'arbitre central avait distribué au maximum. L'arbitre central avait distribué au maximum. Et le coach Nguema qui donne des consignes de match. Le ballon est à nous, faites attention. Voilà. Il faut revoir les plots, il faut revoir les tableaux. C'est pas facile. Ah oui. Entre dire et faire, il y a un fossé. Mais le savoir-faire et le génie de chacun devraient prévaloir pour qu'à l'issue de ce match, chacune des équipes n'ait pas à regretter des actions obtenues ça et là. Il faut retrouver le gradin. Le quatrième va gérer Ipanis, c'est parti là-bas, ça tombe sur Fama, aïe aïe aïe. Ndiabama, mon Dieu, il faut bien jouer ses actions, c'est reparti, et Son Bina, il faut avaler le terrain au pied, Dixit le coach, c'est pas facile, il a encore le ballon, j'espère bien, oui. Ah oui, il faut se battre, il se bat comme un bon diable, la transversale d'Osorio qui ne trouve personne. Si ce n'est la tête de Famanvé, et l'arbitre a estimé qu'il avait fait faute. Il faut être combatif dans ce match. Ça crie. Ça crie de deux côtés. Ça crie de deux côtés. Voilà. Le capitaine qui se fait applaudir. Le capitaine qui se fait applaudir. De l'autre côté, Stevie toujours convoité et malmené. C'est pas facile. Il faut jouer. Capitaine, courage, félicitations. En toute chose, malheur est bon. En toute chose, malheur est bon. C'est parti. Long ballon à la récupération. Famanvé. Fama. La frappe de Fama qui ne donne rien. On va encore avoir la possibilité de repartir. Nzamba. Long ballon qui ne trouve personne si ce n'est Lengui. Ah, le ballon au pied. Ça joue. Ça joue, Binguma Nathan est là pour dégager le camp. Ah, petit Mabouela, Vengiabama, pas pour longtemps. Petit Mabouela qui va donc faire la passe pour personne. C'est reparti, ça va jouer pour Mme Na. C'est passé, il fallait croire. Ils n'y ont pas cru. Il fallait croire, mais ils n'y ont pas cru. Ah, qui l'y cru pour cette balle? Il fallait croire, c'est passé et ça devrait passer. C'est parti, maintenant pas pour longtemps. La défense de Assouman Bongo peut se dégager, c'est parti, pas pour longtemps. Toujours à la récupération, le dossard 2. Ah oui, l'arbitre a participé. Il veut définitivement participer à ce match. C'est reparti là-bas. La tête,
du défenseur d'Assman Bongo qui va laisser à l'Asiobé le soin de concéder le corner qui sera exécuté par Famavé. Le dossard 5 de Assman Bongo va faire son entrée en lieu et place du dossard 9. Et donc, Famavé va avoir la possibilité d'exécuter le corner. Le dossard 5, Letomo, qui s'en va pour aller renforcer cette défense. C'est parti, la frappe de Famavé. Jusqu'au bout, il fallait y croire. Ils l'ont fait. Il s'appelle Lebi Goumanata. Oh là là, c'est l'occasion qu'il fallait. Qui l'y cru? Ah, le coach Montini, il peut regretter autant d'occasions qu'il a eues. Homme de peu de foi, si nous avions été dans une église, c'était pas facile pour cette équipe. Et moi, j'avais déjà annoncé que le soleil, oui, Saint-Élysée. Ah, cette équipe qui va donner du sourire au Big Paolo. Cette équipe qui va donner du sourire au président Bachi. Cette équipe, aïe, 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 du sourire du entre les lèvres du président Oguera, qui a assisté ce de façon magistrale. Ah, Bingoumanata, sur une passe de notre ami Famavé, une balle de coin, a eu la possibilité de clouer le gardien d'Assman Bongo qui est resté hébété, pantois, immobile, estomaqué, je vais dire étonné. Il n'a pas eu la possibilité de voir cette balle. Elle était loin, elle est venue de loin. C'est peut-être l'occasion du match. Ah oui, il fallait croire, et ce jusqu'au bout. Le public est en train de quitter le stade petit à petit. Certainement qu'on nous annonce la fin, mais nous n'en sommes pas encore là. Ah oui, ah les gars, ce n'est pas fini, mais Tougué qui s'échappe. J'ai retrouvé de la voix, que va-t-il faire? Ah non, le pauvre, l'arbitre qui annonce 5 minutes de temps additionnel. C'était pas facile. 1-0, c'est pas facile. Il est parti. Ah, il n'avait pas encore touché la balle. Ah, on attaque. Et Son Bina, c'est reparti pour Nzamba. Que va-t-il faire? Très beau geste. Nzamba, à milieu de terrain, Fama. Fama qui s'échappe là-bas, qui va retrouver Osorio. Osorio, que va-t-il faire? La transversale d'Osorio retombée sur la tête de Nzamba. Non, il faut compter sur le dossard 13. Le dossard 13 d'Assman Bongo. Le coach Mancini qui va... Il reste 5 minutes au compteur. Qui? À vous de Assiobé ou d'Assman Bongo va repartir avec les 3 points. Ce n'est pas le moment de le dire parce que cette équipe d'Assman Bongo, très joueuse, cette équipe d'Assman Bongo, très joueuse. Aïe, aïe, aïe. C'est pas facile. Ça, c'est télescope de l'autre côté. C'est pas facile. Il faut jouer. Ndiabama, encouragé par le public. Lengui, que va-t-il faire? Peut-être avoir la possibilité de sauter. Il fallait croire. Ah, c'est pas facile pour cette équipe
Das Mambungu qui a voyagé notamment venir affronter l'Asiobe. Il faut jouer. Ça joue serré. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est sorti. C'est sorti. Il y a un changement. Il y a un changement qui se profile à l'horizon. Un changement, le Dossard 17, qui n'est autre que Maïs Mabiala. Maïs Mabiala qui va sortir. Et Senze Élysée va se faire accompagner d'un carton. Senze Élysée qui va se faire accompagner d'un carton. Il faut tenir 2 minutes. Il faut tenir 2 minutes. Le coach Mantini qui ne comprend certainement absolument rien. C'est pas facile. Il faut jouer. Faute. C'est pas facile. Il faut jouer. Il reste moins de 2 minutes sur cette balle. Ça tombe sur Mvujoni, applaudi par le président Oguera, qui voit son équipe se relancer et désormais à 6 points. Elle va retrouver Gabon Télécom. Cette équipe va retrouver au haut du tableau AS Liba et Gabon Télécom de Tchibanga. On va donc avoir faute et Fama va être coupé d'un carton jaune. Les derniers moments de ce match sont palpitants. Je crois que le moment est certainement venu. Ah, c'est pas facile. Il faut se dégager. Il faut se dégager. Le Dossard 13 est très dangereux à Ngiabama. Merci d'avoir sauvé le camp. Et Asiobe va bénéficier d'une faute. Il faut reposer le camp, Big Paolo. Il faut reposer le camp. Il faut reposer le camp. Il faut reposer le camp. On demande donc de jouer. Jouer, ce n'est pas fini. Jouer, ce n'est pas fini. Et l'arbitre qui regarde son chrono va certainement pour la dernière fois mettre. Et c'est parti là-bas. Hors-jeu. Hors-jeu à estimer. Il faut jouer. Il faut jouer. Vous qui avez les chronos, c'est certainement fini. Et c'est à l'arbitre dorénavant d'en décider. Le but a sonné au stade Jean Koumou de Lambaréné. Tel un éclair pour venir ici éclairer ce stade qui avait été assombri. Faute de main, oui. Oh, l'arbitre n'avait pas sifflé. Il y a faute de main, c'est parti. Est-ce que Lengui va avoir la possibilité de prendre la faute? Faute. L'arbitre estime qu'il n'y a rien. L'arbitre estime qu'il n'y a rien. Son juge de touche. Son juge de touche. Lève le fanion et va aider certainement le juge central. Et donc, ils se parlent. Et le coach Mantini qui va écoper le Dossard 9, voilà. Et il agresse l'arbitre. Le Dossard 9.
Le Dossard 9. Le Dossard 9. Sous la pression, agresse l'arbitre. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'était pas facile. Et c'est fini. Assiobe qui remporte sur la marque d'un but à zéro. Que va-t-il faire? Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. La défaite n'est pas facile à consommer au stade Jean Koumou. L'Assiobe se relance dans ce championnat en battant au score Assé Mambungu. Un but à zéro. Le but intervenant ici au stade Jean Koumou. Terrain, un éclair. Ah oui. Ah, ma voix a certainement changé, vous l'avez constaté. Oh, que c'est émouvant de se relancer dans un championnat comme celui-ci pour une équipe qui parfois se sent abandonnée par les siens et parfois par les autorités universitaires. Nul n'était la présence du CNU. Nul n'était la présence du Centre national des œuvres universitaires. Certainement qu'on n'en serait pas là. Merci à vous, merci à Arnold Kebouze, merci au Big Paolo, merci aux dirigeants, j'ai cité Paul Alembachi, merci à Russell Oyemenge, merci à vous pour la retransmission en direct. Je m'en vais vous laisser et savourer également la victoire. Au bec, le plus prompt pour ce match, le gésier le mieux rempli. Merci.